Pierre Béloche dans le quartier de vendredi. Vous présenterez Ursin Mélois qui courait dernièrement sur ce parcours. Quelle impression vous a-t-il laissé? Bah, il m'a laissé un peu sur ma faim. Après, ça s'est mal passé au départ. En seconde ligne, il y avait quelqu'un qui n'était pas à sa place et ça a un petit peu chamboulé le départ, qui aurait dû être repris à mon avis. Et après, il a été gêné dans le dernier tournant, il venait bien, il a été accroché un instant. Alors, c'est un cheval qui n'est pas très courageux, il a du mal à repartir. Mais quand même, la performance n'était pas... Il a fait mieux que ça. Auparavant, déférer les 4 à Laval, c'était pas mal. Oui, c'était même très bien. Il avait fait une vraie belle fin de course. Mais beaucoup plus, il finissait très vite. Dans un bon temps, le cheval est resté très bien à la maison. On est en seconde ligne, voilà le problème. Mais on va dire que c'est un bel engagement malgré tout, pas européen. Oui, voilà, l'engagement est vraiment très bon. On court contre Français et il fait partie des plus jeunes. Bien qu'il ait 5-6 ans déjà, mais le cheval, c'est vrai que c'est un très bel engagement. Qu'est-ce qu'on en fait alors, Pierre? Bah, disons que le fait d'être en seconde ligne, on part derrière un numéro assez intéressant à mon avis, mais on a besoin de plus de chance que d'être en première ligne. Alors avec un peu de chance, il doit pouvoir se placer dans la combinaison du quintet.